金曜日の司会はナンポルトキー。フランスに遊びに来てノーライフのスタジオに訪れたらいきなりテレビに出ることになった田中です。今日のリストはゲームレビュー、ユンヌミニットプールパルドゥ、アニメリリース。まず最初はノーライフニュースから。Les fans de Plastic Tree peuvent se réjouir. En plus de leur concert le 4 novembre à la Maroquinerie à Paris, le groupe fera une séance de dédicace au Chibi Japan Expo à 13h au stand J-Music Distribution. Sachez qu'il est d'ores et déjà possible de se procurer des places pour le concert sur digitic.com. Ce site est un système de pré-vente qui permet de réserver ses billets à l'avance, puis de les imprimer à domicile ou de les télécharger via un téléphone portable. De nombreux joueurs européens attendaient avec impatience la sortie de Knights Journey of Dreams sur Wii pour la fin de l'année. Mais le jeu de chez Sega arrivera en fait un peu plus tard sur le vieux continent, en janvier 2008 pour être plus précis. En contrepartie, on en sait un peu plus sur son contenu, puisqu'il bénéficiera d'un mode 2 joueurs ainsi que d'un support réseau dès sa sortie. Final Fantasy Crystal Chronicles The Little King and the Promised Land sera le porte-drapeau du lancement des jeux WiiWare en mars prochain au Japon. Ce service permettra de télécharger à moindre coût des titres inédits. Cet épisode de la série des Crystal Chronicles fera suite à celui sorti en 2003 sur GameCube et proposera aux joueurs la délicate mission de reconstruire un pays. Peu d'éléments ont pour le moment été dévoilés, mais on sait déjà que le titre devrait coûter environ 1500 points. Après les épisodes PS2 et PC, Eidos continue de fêter dignement les 10 ans de sa plus célèbre licence avec Tomb Raider Anniversary, sur Wii cette fois-ci. Pour mémoire, ce titre remet au goût du jour le tout premier volet de la série, en y apportant notamment une qualité technique nettement supérieure. Mais la particularité du jeu sur la console de Nintendo se situera évidemment au niveau du gameplay, qui tirera parti des multiples interactions avec la Wiimote et le Nunchuk. Voici un trailer de Super Mario Galaxy prévu pour le 16 novembre prochain chez nous, sur Wii évidemment. Ce titre est incontestablement l'un des jeux les plus attendus sur la console de Nintendo. Il mettra bien sûr en scène notre cher plombier italien qui devra cette fois-ci explorer des planètes, quitte parfois à avoir la tête à l'envers ou à se transformer en abeille par exemple.今日の紹介するゲームは太鼓の達人 DS タッチでドコドン、中にこれが入っていてこうペンで叩くわけですね。さあ見てください、どうぞ。Konami avait déjà balayé large dans le Risen Game. Ils nous ont fait le jeu de guitare, le jeu de batterie, de piano et ainsi de suite. Pour pouvoir rivaliser avec la déferlante Bemani, Namco a dû trouver un instrument qui n'avait pas encore servi de base à un jeu. Ils ont choisi le taiko, une sorte de tambour, un imposant instrument de percussion typiquement japonais qui se frappe avec deux grosses baguettes. Après de nombreuses moutures en arcade et sur PS2, c'est avec surprise que l'on voit débarquer cette simulation de tambour sur Nintendo DS. Comme tout Risen Game qui se respecte, le but du jeu va être de jouer en mesure, sur des morceaux divers et variés, en suivant les notes qui défilent sur l'écran, et en tapant sur l'écran tactile lorsque la note atteint un repère en bout de course. Sur DS, l'écran tactile sert de tambour virtuel, et l'écran du haut est consacré au déroulement de la partition. Pour jouer à Taiko no Tatsujin, on peut choisir de jouer avec les bêtes boutons de la console, nettement moins fun que de taper en rythme sur l'écran, mais cela permet de jouer dans n'importe quel endroit. Ou alors on peut utiliser les baguettes spéciales fournies avec le jeu, des batch pen, pour frapper sur l'écran tactile.
On notera d'ailleurs qu'il faudra tenir ces batch pens plus comme des baguettes de batterie, une dans chaque main que comme un stylet classique. Après avoir choisi le morceau à interpréter, il va falloir taper sur le tambour en cadence et selon différentes exigences. Il y a plusieurs modes de jeu. Le mode interprétation permet de jouer le titre que l'on veut selon trois niveaux de difficulté différents. Le mode dojo propose de relever un défi et de finir un titre imposé pour pouvoir gagner en classe, en commençant par la 9e classe et en ayant pour objectif les hautes sphères de la maîtrise du taiko. Un mode confrontation permettra jusqu'à 4 joueurs ayant leur cartouche ou en téléchargement de s'affronter sur un morceau donné. Au fur et à mesure de sa progression sur les diverses musiques, différents cadeaux seront offerts aux joueurs, des sons différents pour son tambour. Du plus logique, batterie, autre variété de percussions, au plus saugrenu, son Pac-Man, voire une série de paix. On pourra gagner aussi différents costumes et accessoires pour customiser son Don, le petit tambour toujours content qui sert d'avatar. Ces petits cadeaux seront annoncés après certains niveaux ou certaines performances remarquables, sous la forme de petites lettres consultables à tout moment, dans la chambre de Don, où l'on pourra aussi changer l'aspect de son avatar. Évidemment, des morceaux cachés sont également à débloquer durant la partie. Les morceaux à jouer se répartissent en plusieurs catégories. Quelques titres pop, dans lesquels on peut retrouver des titres comme Sakulanbo ou Kibun Jojo, qui seront familiers aux amateurs de musique japonaise ou d'autres Risen Game. Une section jeux vidéo permet de jouer à un medley de Super Mario Bros, un medley de Namco ou encore de s'essayer au thème acidulé du jeu Idol Master. Plusieurs morceaux ont été recomposés pour l'occasion par Namco. Il y a également une petite sélection de musique classique comme l'ouverture de Guillaume Tell. On notera la présence de quelques comptines et chansons pour enfants. Et enfin, une sélection animée propose entre autres les génériques de Touch, Geeky Ranger, la série Sentai de 2007, Doraemon ou encore le thème de Détective Conan. Au total, c'est une trentaine de titres qui nous sont proposés. Dans le jeu original, il y a 4 types de notes que l'on peut faire avec le tambour. Les pastilles rouges correspondent au ventre du tambour, tandis que les pastilles bleues correspondent à ses côtés. Les pastilles de taille double, quant à elles, signifient qu'il faut cogner des 2 bâtons à la fois. La première question que tout bon geek se pose, c'est « Tiens, je me demande si l'écran tactile de ma DS supporte 2 points de contact simultanément. » C'est vrai quoi, on n'a jamais l'occasion de jouer à 2 stylets. Lorsqu'on regarde le tutoriel, on s'aperçoit tout de suite que l'impact à 2 bâtons a été remplacé par un impact simple à 1 seul stylet, mais dans une zone plus réduite que l'impact normal. La grosse note rouge correspond à la zone centrale du tambour, tandis que la note bleue à 2 mains correspond à une zone étroite sur les bords. Pour bien comprendre, un coup simple peut se faire sur toute la surface de l'écran, tandis qu'un coup double se fera d'un seul stylet, mais uniquement sur les zones dédiées. C'est une bonne partie du plaisir de jeu qu'on trouvait en arcade qui part en fumée, pour ne pas dire un sabotage dans les règles. L'alternance de coups simples et de coups doubles permettait de donner une certaine profondeur à un gameplay en apparence simplissime. Dommage, mais après tout, on se dit que Namco n'a pas dû avoir le choix. L'écran de la DS ne doit certainement pas être conçu pour supporter 2 points de contact simultanés. Pourtant, le geek est curieux, et quand il essaye quand même de frapper des 2 stylets, comme ça, juste pour voir... Stupeur, ça marche. Oui, ça marche. Lorsqu'on touche le tambour des 2 stylets en même temps, le jeu considère ça comme un coup double, exactement comme l'arcade. Mais alors, pourquoi diable avoir jeté le gameplay aux orties s'il était possible de conserver le concept original ? Mystère. Si l'idée de porter un titre tel que Taiko no Tatsujin sur DS est audacieuse, le titre manque justement d'un brin de folie. Le jeu est clairement destiné aux enfants, et la composition de la playlist s'en ressent. Si quelques titres sont sympathiques à jouer, on retombe vite sur les comptines ou autres chansons qui parlent moins aux joueurs. Le côté frais et tout mignon qui s'est développé reste quand même bien sage, sans faire preuve d'un humour déridé. Ajoutons que l'aspect défouloir du jeu original, qui mise sur la puissance et donne envie aux joueurs de tout donner, n'apparaît plus du tout dans cette adaptation DS, le jeu conseillant même aux joueurs d'y aller mollo avec son écran. Enfin, il est possible de faire assez facilement du game breaking.
Lorsque les notes s'enchaînent un peu trop vite, il suffit de tapoter n'importe comment à toute vitesse et, en général, on s'en sort plutôt bien. Taiko no Tatsujin n'est pas un mauvais jeu. Don, le petit tambour, est très sympa. Et l'idée des deux stylets fournis avec le jeu est tout de même assez séduisante. Mais on reconnaîtra volontiers que ce jeu ne marquera pas à tout jamais l'histoire des Risen Games. ゲームといえばちょっと前まで僕もゲームを作ってました、プロデューサーしてましたね。で、来年に向けてまた新しく作ろうかなと思ってます。さて、次のコーナーはユンニミニットパレードゥ、どうぞ。Aujourd'hui dans 20 minutes pour parler de, on va parler de, ça fait répétition, mais j'adore, on va parler de satanisme. Et pour cela je reçois Jean-Michel Ottenbrück, bonjour. Bonjour, et vous êtes spécialiste, prêtre spécialiste dans l'exorcisme? Non, pas du tout. Moi je suis fan du mouvement gothique et notamment de Tokyo Hotel. Ah oui, c'est bien, ils sont... Ich bin ein Woman. Oui, c'est bien. Écoutez, j'avais pas du tout ça sur mes fiches. Il va falloir que je punisse mon assistante. Et pour cela, je vais lui couper des ongles. Vous savez, des ongles. Je vais lui couper très très court et je vais lui mettre du poil à gratter dans sa culotte. Oh, ça c'est méchant, ça. Ça c'est méchant, hein. Ça c'est... Mais je suis un petit peu diablotin aussi, hein. Voilà. Alors, quoi qu'est-ce le satanisme? Bah, c'est ceux qui adorent Satan. D'accord. C'est-à-dire? Bah, par exemple, au lieu de prier Jésus, Bouddha ou Allah, ouais, il prie le diable, ouais. Lucifer, Satan, tout ça. D'accord. C'est un peu con quand même. C'est... Bah, on est en France, c'est la liberté du culte. D'accord. C'est-à-dire, c'est quoi la liberté du culte? La liberté du culte. En fait, ça veut dire qu'on a le droit d'adorer le dieu qu'on veut. Ah bah oui, moi par exemple, j'adore ma mamie. Elle fait des confitures à la figue super bonnes. Mais par contre, dès que tu manges une tartine, t'as tout de suite la chiasse, hein, direct. Ça, je me suis vidé 4 fois cet été. J'ai mangé 4 tartines. 4 fois. C'est facile, hein, de compter. 4 tartines, 4 fois. Paf. Mais bon, on est bien obligé de manger ses confitures parce qu'elle a plus que ça à faire depuis que papy il est mort. Ouais. Ça l'occupe. Alors, le satanisme, quoi qu'est-ce, où on en est? Satanisme. Voilà, oui, comme vous dites. Alors? Alors quoi? Vous en êtes un de sataniste? Non, moi je suis fan du mouvement gothique et notamment de Tokyo Hotel. Oui, ça vous l'avez dit au début, ça, vous répétez tout le temps. Mais c'est pourquoi les gens ils prient Satan? Ben, je sais pas, peut-être que des moments, les gens ils ont envie de faire quelque chose de mauvais à quelqu'un qu'ils aiment pas, alors ils prient Satan. Bête quand même, c'est con quand même. C'est, pourquoi ils font ça? Je sais pas. Vous comprenez, vous, pourquoi les gens ils prient le bon Dieu? Ah non. Bah là, c'est pareil, mais en inversé. Oui. Forcément. Excusez-moi, vous êtes qui? Je suis un Goomba. C'est quoi? C'est un champignon dans Mario. Saute-moi dessus. Goomba. C'est quoi? C'est un champignon dans Mario. Saute-moi dessus. J'ai envie que mes pieds rentrent dans ma tête. アニメといえば宮崎駿さんのすごく昔の作品ですね。もうかれこれ20年30年ぐらい前になる、初期の作品で、カリオストロの城というのが大好きですね、僕は。やっぱりルパン三世というこうかっこいい泥棒がいまして、彼の最後のセリフがむちゃくちゃいいんですね。これがまた、ぜひそれを見てください。さて、アニメのコーナーです。どうぞ。Pour le plaisir de ses innombrables fans, la série TV Nana continue son bonhomme de chemin avec la sortie dans l'Hexagone de son deuxième coffret de DVD édité par Kazé. Si ce titre n'évoque en vous qu'une vulgaire publicité pour des tampons hygiéniques, c'est que vous avez dû passer les 8 dernières années dans une caverne. La série Nana et le manga éponyme dont elle est l'adaptation sont en effet devenus de véritables phénomènes mondiaux. Dans ce nouveau volume, qui regroupe les épisodes 11 à 19, tout n'est pas rose pour nos deux nanas. Komatsu Nana va se retrouver tour à tour sans le sou, sans travail et enfin sans petit ami, son copain Shoji étant parti batifoler avec une de ses collègues. De son côté, la rockeuse Osaki Nana et son groupe Blast commencent tout doucement à emprunter les chemins de la gloire. Un concert du groupe Trapnest et des retrouvailles avec son ancien amant Len risquent cependant de jeter le trouble dans son cœur.
Romance, humour, sexe et rock'n'roll, le tout accompagné par les prestations aux musiques et aux génériques des artistes Olivia et Tsuchiya Anna, la recette Nana fait toujours mouche. Et tant qu'on est dans la bande sonore, on notera que Osaki Nana est interprétée par Paku Domi, une doubleuse au talent surprenant, puisqu'on lui doit, dans un tout autre registre, la voix de Edward Elric, l'impétueux Full Metal Alchemist.浮気したことある？やったのか、幸子と。被告人は質問にだけ答えるように。被告人はお前だ。したことねえよ、浮気なんか。嘘つけ。お前は高3の時何人もの女に同時期に手を出すようなろくでなしだったじゃねえか。そうだっけ。しらばっくれるな。 俺は知っている。クラブで知り合った女子大生、バイクで事故って運ばれた先の病院の看護婦、ロック日のためのお姉ちゃん。よく覚えてんな、そんなに羨ましかったんか。とにかくそんな前科のある鬼畜なお前が浮気しないわけねえ。そんなに欲しいか、仲間が。しかし懐かしいな、あれは俺の人生最大のモテ期だったな。最近全然モテないしな。じゃあモテたら浮気するんだな。 しねえよ。なんで？純子が怖いから？怖いよな、純子って元ヤンだけに。純子を失うのが怖いから。ドットハック Roots est une des séries qui compose le monde de Dothack, dont l'histoire se partage entre jeux vidéo, séries télé et manga. Roots met en scène Haseo, un nouveau joueur de The World, un MMORPG où des millions de joueurs sont connectés en permanence. Avec Ovan et la Brigade du Crépuscule, il recherche un mystérieux item, la Key of the Twilight. Dans ce troisième volume, c'est au moment où les héros croient toucher au but que leur mentor, Ovan, disparaît, et que les principales guildes sont dissoutes. Chacun doit alors se remettre en cause et se demander pourquoi rester connecté. La qualité technique de la série est plutôt bonne. Les designs restent agréables. Les musiques entre trip électro et grande musique classique, bien que parfois un peu envahissantes, se remarquent. Les sous-titres également se lisent agréablement et aident à s'immerger dans ce monde en VO. Par contre, les motivations des différents personnages sont assez obscures, et celui qui découvre Dothack avec cette série trouvera sans doute le tout assez abscon. Ces épisodes surtout font beaucoup tourner les personnages en rond, en les faisant se demander inlassablement pourquoi ils jouent à The World. Si les accros du monde de Dothack y trouveront leur compte, les autres auront sûrement du mal à saisir l'éventuel enjeu d'une telle série. ゴブリンの群れだと思えばどうってことね。浸ってる場合じゃねえって。キリがない。オーバーは。まだワンフロア移動して体勢を立て直しましょう。 お別れの時間が来てしまいました。なんか寂しいですね。次回またここで自分のこう作ったゲームとか本とか持って、出られるように頑張ります。それでは皆さん、さようなら。